après que j'ai terminé mon gilet No Frills de petite knit, j'ai laissé passer du temps, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Une fois que je l'ai terminé, je l'ai porté et je savais pas en fait sur quel projet enchaîner juste après. Donc les jours sont passés, les semaines sont passées. Le mois de décembre est arrivé assez vite. J'avais toujours pas de plan précis. J'ai plein d'idées, j'avais plein d'idées de patrons qui me traversaient l'esprit, mais j'étais à un moment où je ne savais plus exactement ce que je voulais. Ou alors c'est peut-être pas ce que je devrais dire, mais j'étais plus sûre de rien en fait. J'ai mis plein de patrons de côté sur ma bibliothèque Ravelry, j'ai mis plein de patrons en favoris. J'ai fait le tour de tous les patrons que j'avais mis en favoris. J'en ai effacé beaucoup, vraiment beaucoup. Il me reste très très peu de patrons en réalité parmi tous ceux que j'avais choisis au départ. Et je me rends compte que voilà, on ne peut pas dire que je manque de pulls. Par contre, mes goûts ont évolué. Et dans un premier temps, après ce moment d'incertitude, de flou total, j'ai décidé de faire quelque chose que j'envisageais de faire depuis un moment, mais j'osais pas passer le pas. Et là, finalement, je l'ai fait. C'est détricoter des projets, des pulls, des gilets que j'avais déjà fait auparavant. Le premier que j'ai détricoté, ça a été la première version du Papus pullover de Midori Hirose que j'avais fait. Et donc ce pull désormais n'existe plus, il est sous forme de petites pelotes. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de ces pelotes, de ces laines. Une fois que j'étais sur ma lancée, j'ai décidé de détricoter aussi un bonnet que j'avais depuis longtemps. Un bonnet qui était beaucoup trop lâche pour moi. Et puis enfin, le troisième projet que j'ai détricoté, c'est mon gilet Georgetown de Anna Fetille. C'est un gilet noir que j'avais tricoté avec la laine Arbor de Brooklyn Tweed. Et c'est un gilet que je ne portais plus vraiment. Et quand je le portais, je ne me sentais pas forcément... je l'aimais plus autant qu'avant. J'ai pas pris le temps de laver toutes ces nouvelles pelotes obtenues après avoir détricoté ces projets. Je ne suis pas sûre que je vais le faire avant de les utiliser pour un nouveau projet. Mais voilà. Donc ça m'a permis de pouvoir dédramatiser un petit peu le fait de détricoter des projets, de se dire c'est normal en fait, il y a un projet qui vous plaît, un patron qui vous plaît, vous le faites. Et puis vous le portez, et puis le temps passe, et puis vous vous rendez compte que c'est plus votre style ou ne correspond plus à vos besoins ou à vos goûts, et c'est pas grave. Ces projets, je les ai portés, ils ont bien vécu, ils ont fait leur temps, et à présent, il est temps qu'ils deviennent quelque chose d'autre. Et puis, j'ai fait aussi entre-temps, durant le mois de décembre, des petits projets au crochet assez rapides parce que l'école de mes enfants proposait de faire des dons pour d'autres enfants qui pourraient avoir besoin de vêtements chauds et notamment des bonnets, des écharpes, des moufles. Donc j'ai fait deux bonnets, il me semble. Et ça m'a permis, voilà, toutes ces petites choses m'ont permis de ne plus être dans cette espèce de frénésie de vouloir trouver un nouveau projet à tricoter. Ça m'a permis de prendre un petit peu de recul. Et vers la fin du mois de décembre,
J'ai une amie qui est venue, qui m'a demandé si je pouvais lui faire un pull en particulier. Elle m'a envoyé des photos de ce pull et je lui ai dit, bah écoute, oui, dans l'absolu, je pourrais le faire, mais pas sans patron. J'ai besoin quand même d'un patron parce que je n'ai pas encore l'aisance suffisante pour reproduire un pull juste en voyant une image. Et du coup, bah, c'est arrivé au bon moment. Ça m'a permis de ne plus avoir à décider quel patron faire par la suite. Et peut-être que j'avais pas forcément, comme j'avais trop d'hésitation, je ne savais plus trop quel projet faire. Ben ouais, ça m'a permis de me dire, bah, ça au moins, je peux le faire. Et ça me permet de pouvoir tricoter en fait. Et du coup, ça me permet de me dire, parce que c'est une question qui m'a traversé l'esprit, c'est à un moment donné, quand les placards débordent, qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas tricoter encore plus, mais je n'ai pas non plus envie de cesser de tricoter. Et finalement, tricoter pour d'autres, bah, c'est un peu la solution idéale qui te permet de pouvoir continuer à faire ce qui te passionne. Donc, c'est pour ça que j'ai sauté à pieds joints dans cette proposition. Parce que ça me permettait de tricoter, même si c'est pas pour moi. Et c'est vrai que jusque-là, j'ai surtout tricoté pour moi. J'ai tricoté quelques pulls pour mes enfants, mais j'aime surtout tricoter pour moi. Mais là, c'est un défi que j'avais envie de relever. C'était le bon moment, faut croire que c'était le bon moment. Donc on a eu l'occasion de se voir en vrai par la suite, parce que je lui expliquais que j'avais quand même besoin de prendre ses mensurations pour pouvoir me projeter, savoir quelle taille faire. Alors le pull, c'est un pull qui ressemble, j'ai déjà acheté un patron que j'avais fait, c'est le boxcar. La construction, le point est assez similaire, donc je suis partie du boxcar et je lui ai dit, voilà, j'ai besoin de prendre tes mensurations pour savoir quelle taille faire. Alors elle est très très fine et je lui ai demandé aussi de venir avec un de ses pulls pour pouvoir voir comment ce pull tombait sur elle et m'ajuster éventuellement aux mensurations, enfin aux mesures de ce pull. Et ça m'a permis de voir que le pull qu'elle a, en fait, ce qui lui manquait le plus, c'était pas tant l'aisance positive, mais plutôt en termes de longueur, parce qu'elle est beaucoup plus grande que moi, donc elle avait besoin de rallonger un petit peu le corps. Et elle voulait qu'il y ait peut-être moins d'aisance positive aussi. Je lui ai fait essayer aussi mon boxcar pour savoir un peu comment il tomberait sur elle, puisque c'était quasiment le même genre de pull que la photo qu'elle m'a présentée. Et il s'est trouvé que au niveau des longueurs de manches, ça tombait nickel sur elle. Là, c'était la bonne longueur pour les manches. Il y avait juste le corps à rallonger de quelques centimètres. Et puis elle voulait une laine un peu plus fine parce qu'elle aimerait le porter plutôt en mi-saison. Elle ne voulait pas que ce soit trop chaud et trop épais. Et sa couleur préférée, c'est le bleu. Mais elle avait envie d'élargir un petit peu sa palette de couleurs et elle voulait essayer le jaune. Et on a regardé un peu différentes laines, différentes marques. Alors soit c'était un peu trop fluo, soit c'était un peu trop pâle. Elle voulait quelque chose qui soit pas trop voyant, mais en même temps qui sent quand même assez vibrant. Et au dernier moment, je me suis rappelé en fait que j'avais de la Drops Baby Alpaca Silk dans mes affaires qui était de couleur jaune et je me suis dit, bah, j'ai justement de la laine jaune sur moi. Alors j'ai fait aussi des projets moi avec de la laine jaune, je lui ai montré, mais c'était pas le jaune qu'elle cherchait. Et puis je me suis rappelé donc de cette laine, je lui ai montré. Elle était hésitante au début, mais moi j'ai trouvé que la couleur allait très très bien avec ce cheveu, puisqu'elle est, elle a les cheveux blonds, c'est un blond très doux. Et voilà, je lui ai demandé de regarder attentivement, de mettre la pelote autour de son visage et tout. Et au final, elle s'est dit, bah en fait, je pense que ça pourrait très bien être le bon jaune. Donc, on a choisi ce jaune-là, j'ai fait une commande et j'ai démarré le pull. En suivant, alors j'ai fait un mix entre le boxcar et le taupe sweater de Gregoria Fibers. Alors, ce qui m'a embêté pour le boxcar, c'est comme ça commence par le bas et qu'elle veut ces espèces de petits festons au niveau des manches, au niveau du corps et au niveau du col, comme
comme sur la photo du pull qu'elle m'avait montré, j'aurais préféré que ce soit un pull qui commence du haut vers le bas, parce que ça me semblait plus facile de créer cette forme de feston dans ce sens-là, plutôt que de démarrer du bas. J'ai regardé sur internet des vidéos YouTube qui montraient comment faire du bas vers le haut. J'ai essayé, j'ai pas été très convaincue. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une ligne de vie. J'ai sécurisé les mailles avec un bout de laine. Et ce que je ferai une fois que j'aurai terminé, c'est que je déferai toute cette partie de feston que j'ai fait et je le referai dans le sens du bas vers le haut, en fait, avec un système de rang raccourci qui me semblera beaucoup plus. Qui correspondra mieux, je pense, à ce qu'elle souhaiterait. Et pour les manches, ce sera pas compliqué puisque on part de l'épaule jusqu'au poignet, donc je pourrais faire cette technique de rang raccourci. Et pareil au niveau du col, je pourrais le faire puisqu'on partira de la base ici pour aller vers le haut. J'ai utilisé les instructions du Tove pour le point. Je voulais le point de le Fisherman's. Alors je ne sais pas du tout quelle est la traduction française pour ce point-là, mais c'est un point de côte en fait, qui ressemble un peu au point de côte anglaise. Mais je voulais reproduire ce point-là, puisque c'est ce qui semblait être le plus proche du pull qu'elle m'a montré. Donc a priori, ça va. J'aurais aimé que ce pull soit parfait, qu'il n'y ait aucune erreur, mais il y a des moments, quand on a ce rythme comme ça, endroit, envers, maille, endroit, maille, envers, maille, endroit, des fois, je vais plus vite, mon doigt va plus vite que mon cerveau, et je me retrouve à faire plusieurs mailles envers, deux mailles envers l'une après l'autre, ce qui fait que ça décale tout le point, et quand je m'en rends compte, parce qu'en même temps je regarde quelque chose, bah quand je m'en rends compte, il faut que je revienne en arrière, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc il y a des petites erreurs comme ça qui fait que c'est pas toujours bien régulier. J'espère qu'au blocage ce sera régulier. Globalement, voilà, le point est très régulier et ça va. Ce sera très très joli. Mais je me rends compte que vraiment il faut que je sois attentive parce que je ne veux pas qu'elle soit déçue. Ce serait vraiment pire que tout si elle était déçue par le pull, que ça ne correspondait pas du tout à ses attentes. Je m'en voudrais énormément. Je viens vous parler un petit peu de mon projet en cours qui est un pull que je tricote en ce moment pour une amie et j'ai bien avancé puisque j'ai terminé le corps, j'ai terminé complètement le corps, donc on a les emmanchures qui sont faites et j'ai cousu les épaules avec un rabattage à trois aiguilles, donc voilà, ça commence à ressembler à un pull.
que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai lavé ce pull parce que je voulais m'assurer de... je voulais être sûre en fait de savoir comment allait se comporter la laine alpaca de Drops après lavage. Je me doutais que ça allait s'agrandir. Ce que je craignais, c'était que comme ça risquait de gonfler, je me disais, ça se trouve, ça va s'élargir et en s'élargissant, ça va peut-être raccourcir en longueur. Donc je voulais m'assurer que le corps était assez long puisqu'elle ne voulait pas que ce soit trop court. Et ce qui s'est passé après lavage, eh ben, ça s'est un peu allongé plutôt que élargi. Et après un certain temps de séchage, eh ben, j'ai constaté que ça avait grandi plus ou moins plutôt en longueur que en largeur. C'est compliqué d'anticiper quand on ne peut pas essayer le pull sur la personne à qui on veut l'offrir. Donc c'est que de l'extrapolation, de l'anticipation. Et c'est vrai que c'est un peu stressant quand on tricote quelque chose qui n'est pas pour soi. J'avoue que ça, c'est un peu ce qui m'angoisse dans ce pull-là. C'est une personne qui est vraiment qui sait le temps que ça prend de faire un tricot. Je lui ai déjà tricoté et offert des objets, des accessoires tricotés à plusieurs reprises et elle a toujours été très reconnaissante et elle a su apprécier le travail à sa juste valeur. Donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle sache le temps, l'énergie que ça prend. Mais d'un autre côté, je ne veux pas la décevoir non plus parce que je ne voudrais pas qu'elle se retrouve avec un pull trop long, trop grand. Parce que même si ça a été fait avec beaucoup d'amour, c'est dommage si elle le porte en se disant « Ah, j'aurais aimé que ce soit moins long, ah, c'est un petit peu… » voilà. Et c'est une expérience aussi à vivre et peut-être qu'à l'avenir, si l'occasion se présentait à nouveau, peut-être que je referai ce genre de choses. J'espère que tout va bien se passer. En tout cas, pour l'heure, je vais passer aux manches. Je suis depuis le début les instructions de la taille 1, donc qui est la plus petite. Et j'ai pris des aiguilles un peu plus petites que celles suggérées par le patron pour être sûre que ce soit pas trop large autour de son buste. Et puis ben, en longueur, là, c'est un petit peu... on va voir. Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small. Ça y est, il est fini, il est lavé, il est bloqué. Et eh bien, il a été offert à la personne à qui il était destiné. Donc, je vous fais un petit récapitulatif rapide. J'ai donc tricoté un pull pour une amie qui m'avait demandé d'essayer de lui reproduire un pull qu'elle avait vu dans le commerce. Et j'ai relevé le défi. On a pu se voir à deux reprises avant que je lui offre son pull. Une première fois pour choisir la couleur et choisir les pelotes. Et puis la deuxième fois, elle est venue me voir pour fêter tardivement mon anniversaire. Et j'en ai profité pour essayer le pull que j'avais déjà bien avancé. J'avais commencé à faire... j'avais fait une manche, mais j'avais arrêté en cours de route parce que j'étais pas sûre au niveau de la longueur, donc je préférais vérifier sur elle. Et j'ai fait la deuxième manche à peu près à la même longueur. Le corps était fini, tout le corps était terminé. J'avais pas encore fait les détails de feston et tout au niveau du col. Par contre, ils étaient déjà faits en bas. Et donc, quand elle l'a essayé, eh bien, j'avais bloqué le corps. J'avais lavé déjà le corps pour voir à peu près si c'était comment ça rendait, si ça bougeait beaucoup, si ça s'étendait. Enfin bref, voilà. Et donc, quand elle est venue, je lui ai essayé. Il s'est avéré que contrairement à ce que je craignais,
Le pull était un peu trop court, en fait, pour elle. Il fallait rallonger quand même pas mal, hein, parce qu'elle est vraiment grande, en fait. Au niveau des bras, ça lui arrivait bien au-dessus du poignet, et il y avait encore de la marge, donc j'ai constaté qu'il fallait que je continue à tricoter un petit peu, rajouter de la longueur au niveau des bras, avant d'entamer les festons. Donc, finalement, elle est... Enfin, au niveau du corps, au niveau des bras, je devais faire beaucoup plus long que ce que j'avais anticipé. Et il me restait une pelote. C'était la dernière que j'avais qui me restait. Je doutais fort de pouvoir terminer avec ce qu'il me restait. Surtout que je devais allonger le corps et donc défaire les festons que j'avais commencé, que j'avais fait pour le bas du corps. Et j'ai commencé à les, comment dire, à les détricoter. Malheureusement, c'était le rang de montage parce que, rappelez-vous, j'ai démarré du bas vers le haut comme indiqué dans le patron de Soprano Nice. Et en fait, le rang de montage, c'est extrêmement compliqué à défaire. Au final, j'ai renoncé et j'ai préféré carrément couper. Heureusement que j'avais mis une ligne de vis, ce qui m'a permis de couper un petit peu avant cette ligne de vis, de reprendre les mailles avec mon aiguille, mes aiguilles circulaires, et de pouvoir après simplement faire directement les côtes et la forme de feston. J'avais hésité à reprendre le point que j'utilisais, mais ce que je craignais, c'était qu'en fait, je voulais pas qu'on voit la reprise, en fait. J'avais peur que ce soit mal fait. J'ai enchaîné sur les côtes et puis j'ai rallongé les côtes suffisamment pour que la longueur lui convienne. Et après, j'ai fait la forme de feston en utilisant un système de rang raccourci qui me convenait d'ailleurs bien mieux et qui donnait vraiment l'apparence feston qu'elle voulait. Donc j'étais très satisfaite du résultat. J'ai fait les festons au niveau, donc j'ai rallongé du coup aussi les manches, j'ai fait les festons sur les manches et j'ai fait les festons autour du col. Le col que j'ai fait remonte un peu sur son cou, ce qui fait que c'est moins large que le pull qu'elle m'avait présenté, mais en fait c'est pas grave parce que ça fait vraiment très élégant. Pour finir le pull, je craignais de ne pas avoir assez de pelote. Mais j'ai réussi à faire tous ces petits ajustements et ces finitions dans tout ce qu'il me restait, y compris l'échantillon que j'avais fait avant de démarrer. Je voulais pas racheter une pelote uniquement, juste pour pouvoir finir deux, trois petites choses. Donc là, j'ai utilisé tout ce qu'il me restait. Et voilà, ce pull est rentré dans presque 8 pelotes. Quand j'ai terminé le pull, je l'ai lavé et... pour vraiment être sûre, parce que quand elle l'avait essayé la fois où elle était venue, la seconde fois où elle est venue, elle sentait que c'était un petit peu, quand elle écartait les bras comme ça, elle se sentait un peu, pas à l'étroit, mais voilà, pas forcément hyper à l'aise dans ses mouvements. Donc ça, je me suis dit, il faut que j'arrive à vraiment faire en sorte qu'elle ait assez d'aisance, mais pas trop autour du corps, autour des bras. Et heureusement que ce point que j'utilise, eh bien... il se détend beaucoup, il s'assouplit beaucoup, ça permet au pull de pouvoir prendre un petit peu d'amplitude. Et ben du coup, j'ai pu, quand je l'ai bloqué, je l'ai mis bien à plat sur mon tapis, j'ai bien élargi comme il fallait les bras, sans trop les allonger, parce que j'ai constaté que si je les tirais bien, ils pouvaient s'étirer pas mal. Donc j'ai vraiment essayé d'équilibrer en largeur, en longueur. Et puis après, j'ai laissé sécher. Et une fois que c'était sec, eh bien, il ne restait plus qu'à aller la voir et lui apporter le pull en main propre. Un peu sur un coup de tête, j'ai décidé d'aller à sa rencontre pour lui offrir le pull, plutôt que d'attendre une occasion où elle pourrait venir nous voir. Et puis après tout, elle s'était déjà déplacée à plusieurs reprises, donc je pouvais bien le faire au moins une fois pour lui offrir son pull en main propre. Donc j'ai pris la décision un petit peu sur un coup de tête de aller la voir. Elle a réussi à libérer, comme c'était un petit peu imprévu, elle avait déjà des plans, elle a pu modifier un petit peu ses plans et ça nous a permis de nous voir une petite matinée au Jardin des Plantes de Paris. Et quand je l'ai vue,
sortir avec son pull, je pense que... Enfin, les sentiments que j'ai éprouvés à ce moment-là étaient assez indescriptibles, mais déjà un soulagement immense. Parce que quand on fait un pull pour quelqu'un et qu'on a si peu d'occasion de pouvoir lui essayer, de pouvoir vérifier si ça lui allait, ça a rendu un peu... Ça m'a un peu fait stresser, en fait. Ça, c'était le pire qui pouvait arriver, c'était que ça ne lui aille pas du tout et que voilà, elle finisse déçue, et moi aussi. Et puis, voilà, soulagement immense. Et tout de suite après, le ravissement, parce que ça lui tombait, mais parfaitement, exactement comme je le voulais, comme elle le voulait, en termes de longueur au niveau du corps, c'était juste parfait. Le cou, enfin, tout, c'était un pull, le pull pour elle. Et le sentiment d'accomplissement à ce moment-là était incroyable. J'étais aux anges et je pense qu'elle aussi, elle était vraiment ravie. Donc, mission accomplie, c'est un succès et je suis extrêmement fière du résultat. Et je pouvais pas être plus heureuse, en fait. Donc, c'était une aventure un petit peu particulière. C'est la première fois que je tricotais vraiment un projet, un vêtement. J'avais déjà tricoté des accessoires pour des membres de ma famille. Mais un vêtement vraiment qui correspond aux demandes de la personne qui souhaite recevoir ce pull, c'est un peu plus, c'est un défi un petit peu plus pimenté, on va dire. Donc, et surtout, avec la contrainte de ne pas pouvoir essayer ou de pouvoir très peu essayer. Donc il fallait prendre les mensurations à l'avance. C'est vrai que ça peut être stressant, mais j'ai relevé le défi et j'en suis très très fière. Et je lui ai dit d'ailleurs, ça a été un plaisir de le tricoter et c'est un plaisir de la voir le porter parce qu'elle le porte vraiment très bien. Et quand elle veut, elle peut me demander de lui tricoter autre chose, ce sera toujours avec plaisir. Voilà. Je vous laisse avec des images d'elle portant ce pull et je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour la suite de mes aventures créatives. Bye. In the great outdoors.